avait une première thématique qui concernait l'accompagnement des salariés, des structures qui se demandaient bah, comment amener les personnes à faire une PMSMP, une mise en situation, parce que parfois elles ont peur de l'inconnu, elles sortent de leur zone de confort, il y a des changements de rythme. Donc, alors c'est sûr que c'est des questions auxquelles on ne peut pas avoir de réponse toute faite, mais est-ce que vous auriez des éléments qui pourraient aider les structures à avancer sur cette thématique-là? La période de mise en situation professionnelle, ça doit vraiment être présenté et du coup vécu par le salarié en insertion comme une opportunité et comme le fait que c'est une occasion de tester quelque chose, que c'est quelque chose qui est sans risque. Sans risque parce que la durée est courte, on peut très bien partir sur des périodes de mise en situation professionnelle de une semaine, 15 jours. On ne part pas sur des échéances très longues et c'est une période durant laquelle on est accompagné. Il ne s'agit pas de dire vous allez aller dans une entreprise et puis on se revoit dans 15 jours, il ne se passe rien, mais qui est du coup un appui et ce dont vous parliez tout à l'heure, un suivi dans l'emploi. Le suivi dans l'emploi, ce n'est pas simplement au moment de la sortie et au moment de l'insertion dans l'emploi durable. Ce suivi dans l'emploi, ça peut être aussi au moment de ces occasions de mise en situation professionnelle. Et donc de dire, ben voilà, ça va vous permettre de vous tester, ça va vous permettre d'avoir un regard professionnel aussi sur ce que vous avez fait. Vous pourrez échanger avec d'autres salariés, avec l'entreprise, et on rediscutera progressivement de ce que ça implique pour vous. Donc le présenter comme un enjeu de test, d'opportunité, du coup ne peut être que positif pour la personne. Ben merci pour ces précisions. Moi, ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que dans Save Emploi, on préconise de faire différents types de mise en relation, mise en situation. Par exemple, de faire une visite d'entreprise, de faire des entretiens conseils, de faire des simulations d'entretien de recrutement. Donc, ça peut être aussi une façon progressive de permettre à la personne de se confronter à l'entreprise et de pouvoir aller ensuite progressivement vers un PMSMP, par exemple. Donc, voilà, ça peut être aussi un moyen d'aller plus en douceur avec des personnes qui ont des craintes et voilà. Et j'ajouterais également que nous, ce qu'on voit aussi pas mal dans le programme Save Emploi, c'est que les structures réajustent souvent au moment du recrutement des personnes, où elles vont poser dès le départ ce cadre du fait qu'il y aura des mises en relation, des mises en situation professionnelle assez rapidement. Et c'est vrai que quand c'est posé au départ, ben, ça permet aussi plus facilement de proposer les mises en relation aux personnes, puisque ça fait partie du cadre de travail. Voilà ce que je peux apporter comme élément complémentaire. Peut-être aussi une stratégie un peu pour anticiper la mise en situation professionnelle. Il y a aussi le recours à l'enquête métier, qui peut être aussi une première manière d'approcher l'entreprise ou d'autres salariés. Oui, tout à fait. C'est vrai, quand je disais enquête, entretien, conseil, pour moi, c'est un peu la même chose. Mais voilà, tout à fait. Oui. Tout à fait d'accord. Il y avait aussi la question, alors ça va beaucoup se rejoindre, hein, mais comment convaincre les personnes qu'elles sont employables? Est-ce que du coup, vous avez des compléments à apporter par rapport à cette partie-là? En fait, c'est aussi discuter de tout ce qu'elles ont fait. Et la plupart du temps, y compris quelqu'un qui est sans emploi, a en fait énormément d'expériences de travail qui sont à valoriser avec lui. Faire confiance aussi sur… tout à l'heure, vous parliez de cadre. En effet, c'est très important. Quand on est dans des pratiques usuelles de recrutement, la personne se met souvent dans une posture de retrait. Quand j'ai dans les entretiens que j'ai pu faire avec des demandeurs d'emploi, à beaucoup d'occasions, ils disent en fait qu'ils n'osent pas dire les choses à leurs conseillers. Et en entretien, ils disent plus de choses que ce qu'ils disent à leurs conseillers parce qu'ils sont dans cette posture de retrait et qu'ils ont un peu peur de ce que ça va générer. Si dès le début, on présente aux salariés en insertion, aux demandeurs d'emploi, un autre cadre, une autre manière de fonctionner, il va aussi se sentir autorisé et autorisé à raconter ce qu'il a fait, y compris des expériences associative, du travail au noir, tout ça, ça nourrit toutes les compétences en fait qu'il a acquises et donc lui montrer qu'en fait il a déjà une base, qu'il a une capacité à travailler, c'est quelque chose d'important. Et lui rappeler que le travail, l'employabilité, c'est pas soi tout seul, la compétence, c'est pas soi tout seul qui la porte, ça dépend aussi d'un cadre de travail, d'un contexte de travail. Si on met quelqu'un dans une entreprise sans lui donner les moyens de travailler, il peut être aussi compétent qu'on veut avoir un CV blindé, il n'arrivera pas à effectuer sa mission. Alors que s'il y a un cadre de travail qui est accueillant,
où il peut y avoir un recours à un tuteur, où on peut discuter, où on peut échanger. Tout de suite, ça change la dynamique de travail qui va s'opérer et la possibilité pour la personne de pouvoir développer ses compétences. Oui, tout à fait. Moi, je rebondis aussi sur ce que vous disiez. Sur